Je m'appelle Manon Liénard et je suis étudiante à la Haute École des Arts du Rhin en option didactique visuelle. Et en ce moment, je travaille à la valorisation du globe de Coronelli, qui est un globe céleste du XVIIe siècle, de 1 mètre de diamètre, qui se trouve dans les collections de l'Observatoire de Strasbourg depuis l'année 1926 au minimum. Il est en restauration en ce moment et quand il sera restauré, dans quelques mois, le Jardin des Sciences et l'Observatoire vont l'exposer. Et le problème, c'est que cet objet est assez hermétique si on ne le connaît pas, si on n'est pas au courant du contexte dans lequel il a été créé. Et donc, le Jardin des Sciences a besoin d'objets de médiation en fait, pour entourer ce globe, afin que le public puisse comprendre de quoi il retourne. Le premier objet que j'ai réalisé était une maquette, ici, qui permet de comprendre comment ce globe doit être regardé. Donc, quand on l'observe, on est donc un observateur extérieur, comme là d'où je suis. Et il faut imaginer que la Terre se trouve en tout petit, tout au centre du globe, donc ici. Ce qui fait que quand on regarde le globe de l'extérieur, comme ceci, les constellations sont inversées par rapport à celles que l'on peut observer du point de vue de la Terre, de ce côté-là. Donc il vaut mieux avoir compris ça avant d'observer le globe, sinon on risque de ne pas reconnaître l'orientation des constellations. Si on prend par exemple la constellation de l'Indien, on voit qu'il est représenté de face et non de dos. Si Coronelli a pris la décision de représenter les personnages de face et non de dos, c'est que sur les globes originels, le globe originel dont est dérivé ce globe-ci, était destiné au roi Louis XIV, et Coronelli ne jugeait pas digne du roi d'observer le dos des personnages. Et c'est pour cela qu'il a décidé de les représenter de face. Après avoir réalisé la maquette, j'ai décidé de me concentrer sur les textes présents sur le globe, qui sont en italien et en latin. J'ai décidé de rassembler ces textes dans une édition que je voulais faire dans un format un peu flyer que le public puisse en fait prendre et ramener chez eux. Et on obtient en fait une petite édition comme ça que j'ai donc illustrée de dessins pour rendre les choses plus appréciables. Pour finir, j'ai fait un dessin de l'hémisphère nord du globe de Coronelli à plat, que j'ai aquarellé. Voilà. C'était surtout pour pouvoir voir les dessins, les avoir sous les yeux en fait, et pouvoir les étudier un peu de façon plus pratique. Mais quand j'ai montré ça aux personnes du Jardin des Sciences, ils m'ont dit que je pouvais le scanner et qu'on pouvait essayer de le projeter directement dans la voûte du planétarium. Ce qu'on a fait, donc je l'ai scanné en bonne qualité. On l'a intégré dans le logiciel qu'ils utilisent pour projeter leurs étoiles. Et mon dessin s'est donc retrouvé projeté dans toute la voûte du planétarium, donc avec la déformation comme ça à 180 degrés. Et c'était donc comme si on était directement dans le globe de Coronelli, dans son hémisphère nord, en fait. Et ça m'a donné l'idée de prolonger cette expérience-là avec une projection plus élaborée et un peu animée pour expliquer ce globe-là, de ce globe de façon plus poussée.